On va s'interroger maintenant, est-ce que c'est la grève de trop puisque les cheminots en Île-de-France ont cessé le travail aujourd'hui? Démonstration de force avant une réunion pour les primes JO. Rendez-vous compte, un train sur cinq seulement aux heures de pointe sur le RER D par exemple. Tiens, écoutez cet usager en banlieue parisienne rencontré par Nathan Bocard ce matin pour RTL. Je vous vois souffler devant le panneau d'affichage, qu'est-ce que ça change pour vous là? C'est un peu embêtant, parce qu'on travaille sur Paris, il faut s'adapter. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi s'ils ont choisi ce jour-là. Pour négocier les primes pour les JO. Oui, mais je pense qu'ils vont avoir une prime pour les JO, non? Oui, mais ils demandent de meilleures primes. Ben après, s'ils vont travailler plus, si ça sera plus contraignant pour eux, s'il y aura un travail en plus, oui, effectivement, je peux comprendre. Et après, malheureusement, ça retentit sur nous. Vous allez arriver en retard? Je pense pas, hein, parce que je suis sorti très tôt. Vous êtes levé tôt? Un peu, ouais, vers 5h du mat, pour commencer le travail là-bas, vers 8h30, 9h. Ça fait un peu tôt, ouais. Mais bon, que voulez-vous? J'aime pas arriver en retard. Les cheminots qui réclament les primes JO, alors des JO qui semblent aussi être un levier dans de nombreuses négociations, grève des éboueurs, des personnels d'aéroports, coup de gueule des policiers, des pompiers, des agents RATP. Est-ce que les syndicats utilisent les JO? On va aussi se poser cette question ce soir. Notre nouvel invité justement est syndicaliste. Bonsoir Julien Trocaze. Bonsoir. Secrétaire fédéral Sudrail. C'était quoi l'idée aujourd'hui? Mettre sous pression la direction avant une réunion sur ces fameuses primes JO? Bah oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle des relations collectives dans une entreprise. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va en ouvre dans une négociation, il y a ce qu'on appelle le rapport de force, donc la construction d'un rapport de force. Alors des fois on le fait avant, des fois on peut le faire pendant. Donc peut-être qu'il y en a qui auraient préféré qu'on fasse demain, parce que c'est demain, ou il y en a qui on peut le faire après. Donc peut-être qu'il y en a qui auraient regretté. Pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir l'offre de la direction dans les mains pour faire... Imaginons que ça se passe bien par exemple. On a déjà une offre. On a une offre de 50 € par journée de service. Enfin, et quand on voit ce qui se passe ailleurs dans d'autres secteurs, les pompiers, la police, la gendarmerie, les 1 900 € à peu près, on est loin de ça. 1 000 euros brut, par exemple, pour les agents RATP. Voilà. Donc on a une offre déjà qui est sur la table. Donc on considère que c'est pas suffisant. Moi, je rappelle juste que vous savez, on pose ce qu'on appelle des alarmes sociales avant quand on pose un préavis de grève. Donc depuis le mois de mars, la direction d'entreprise est au courant de cette date. Elle a fait le choix. Bah, d'attendre la mobilisation, mais c'est le jeu en fait, elle a de voir le rapport de force. Des fois, et j'ai pas honte de le dire, bah, des fois une grève elle est pas suivie, donc là bah, le rapport de force il est pas en notre faveur, ce qui est pas le cas aujourd'hui. C'est une mobilisation très importante, donc demain, et je finirai là-dessus, la direction d'entreprise elle sait de quoi s'attendre. Il y a eu une épreuve de force aujourd'hui qu'on a réussi. Il y a 1-0 pour les organisations syndicales aujourd'hui, demain c'est le tour des négociations. Expliquez-nous en quoi les JO vont bouleverser le planning et le quotidien des agents. 4 500 trains supplémentaires, 500 000 voyageurs, voyageuses par jour en plus dans les gares Île-de-France, où, alors moi je ne suis pas parisien, mais il y en a qui connaissent mieux que moi, au mois d'août, normalement, bon, bah, c'est là où ça baisse un peu, où il y a moins de trains. Par exemple, la maintenance, le matériel, entre guillemets, il se repose un peu plus, ce qui ne va pas être le cas. Il y a aussi des organisations du travail. Je vais vous prendre un exemple, la livraison par exemple de pièces pour les trains se font la journée normalement. Bon, bah, avec les Jeux Olympiques, elles vont se faire de nuit, et comme elles vont se faire de nuit, ça réorganise puisque les collègues vont changer leur travail. Donc il y a évidemment de la désorganisation. Organisation ou une nouvelle organisation du travail. Mais alors là, vous réclamez exactement combien pour les Jeux? Ah non, nous, comme on rentre dans une négociation et on ne pourra pas nous taxer de surenchère, on va voir demain ce qui est mis sur la table. Nous, ce qu'on veut, c'est évident. Ce qui est là aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On nous explique, mais même la direction de l'entreprise, que de toute façon, comme le gouvernement surveille tout, bon, bah, les 1 900 €, ils sont un petit peu la ligne médiane. Donc on verra demain. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas suffisant et on va voir les propositions qui vont être faites demain. La patronne de la région, Valérie Pécresse, elle déplore une grève indéfendable et un chantage. Vous lui répondez quoi? Elle ne fait jamais de chantage. Elle fait jamais. Non, mais je ne sais pas ce que les... En fait, tous ces hommes et femmes politiques, s'ils jouent l'apaisement, là, en fait, de continuer à nous faire une sorte de campagne de dénigrement. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des salariés qui sont mobilisés. Et surtout, enfin, c'est les mêmes... C'est 90%, quand on a 90% de conducteurs ou conductrices qui sont mis en grève. Si la patronne d'Île-de-France Mobilité, elle pense qu'elle va ranger les choses en disant qu'on fait du chantage juste en perdant une journée, parce que quand on fait grève, on perd de l'argent. Bon, bah, ça va pas être de l'apaisement social, au moins sur Transilien ces prochains jours. Je vous pose la question autour de la table. Est-ce que vous êtes plutôt Valérie Pécresse ou Julien Trocaze, Étienne Jarnel? La raison, Pécresse, il faut dire la vérité. Oui, c'est du chantage. Oui, non, ça n'est pas une cause sociale. Ce serait quand même ridicule d'affirmer le contraire, parce que si c'était une cause sociale, on irait
faire la grève pour des gens qui ont beaucoup, beaucoup moins d'avantages que les gens de la RATP ou de la SNCF, par exemple, qui travaillent plus, qui prennent à leur retraite beaucoup plus tard. Ça, c'est une cause sociale. Là, on a des professions, des secteurs qui ont une situation de blocage, tant mieux pour eux, qui obtiennent beaucoup, beaucoup plus d'avantages, qui en ont déjà beaucoup plus que les autres. Ce serait non pas une cause d'égalité non plus, et qui en réclament en plus. Alors, c'est pas nouveau, parce que à tous les Jeux Olympiques, c'était le cas à Londres, c'était là, il y a toujours les transports publics qui font grève pour réclamer des choses, c'est de l'opportunisme. À la rigueur, ça fait partie de la vie. Mais pour moi, le vrai responsable de tout ça, c'est celui qui accepte, celui qui signe l'échec. Macron, il cède à chaque fois, il fait des chèques à chaque fois qu'il y a un blocage. Vous avez la sensation qu'il y a une surenchère là aujourd'hui avant les JO, parce qu'effectivement, oui, Juliette Rocasse de la SNCF est ici, mais il y a la RATP, la police, les pompiers. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont obtenir gain de cause. Et étant donné que le président de la République signe des chèques, c'est un chéquier géant depuis quelques années, évidemment, vous vous dites, bah, c'est normal, nous aussi, on va avoir notre part du gâteau, on va faire notre petit chantage, on aura un gros chèque. Il est fort probable, malheureusement pour le contribuable français, que ça se termine comme ça. Pablo Pio-Vivien, est-ce que le rapport de force s'est inversé avant les Jeux Olympiques ? On disait souvent que les syndicats avaient du mal à être entendus pendant la réforme des retraites. Est-ce que le rapport de force s'est inversé ? Oui, le rapport de force, il est clairement inversé aujourd'hui. Et vous savez, l'histoire de France, et notamment au XXe et au début du XXIe siècle, elle est aussi faite, et moi j'ai envie de dire d'abord faite de conquêtes sociales. Et les gens qui réussissent à mener ces conquêtes sociales, ben c'est précisément les travailleurs et les travailleuses qui se mettent en grève, qui organisent en fait la résistance à la néolibéralisation de tous nos espaces de travail. Aujourd'hui, on a un problème en France pour tous les travailleurs. Et là, je rejoins un tout petit peu ce que vient de dire Étienne. Un tout petit peu du bout des doigts. Non, mais c'est-à-dire que on a un problème en fait de conditions de travail générales dans notre pays, de rémunération. Hein, les salaires sont quand même très très bas. C'est des demandes en fait qui sont faites par les syndicats. Ça, c'est pas ce que dit Étienne Jernel, mais il y a des demandes qui sont faites par les syndicats de travailleurs et de travailleuses qui disent en fait c'est pas possible d'avoir aussi des salaires qui sont aussi faibles avec une inflation qui, je le rappelle, il y a encore quelques mois et les années passées a explosé et a diminué du coup nos capacités. Voilà. Comment vous êtes d'accord avec Étienne? Là, j'arrive pas à suivre. Là où je suis d'accord, c'est quand il a élargi le scope et qu'il a dit bon bah en fait c'est vrai qu'il y a un problème général. Mais moi là où je veux répondre à Étienne, c'est que précisément les travailleurs et les travailleuses de la SNCF, de la RATP, de tous ces secteurs en fait qui sont clés et qui peuvent précisément mener des grèves, mais c'est des exemples en fait pour tous les travailleurs et les travailleuses de ce pays. Et j'espère qu'ils vont gagner. Mais si en fait c'est pour les autres d'abord parce qu'il y a des gens qui prennent le métro, il y a des gens qui prennent le train, et qu'ils aient des bonnes conditions de travail, qu'ils puissent faire un travail convenablement. Non mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus. À la RATP, on n'arrive même plus à recruter, tellement les salaires sont bas, tellement les rythmes de travail sont pourris, et genre, ils n'arrivent plus à recruter. Ils travaillent moins que la moyenne nationale. Donc il y a des problèmes de sous-effectifs. Non mais ils travaillent moins que la... Réfléchis en fait quand tu parles. C'est-à-dire que il travaille moins et ah bah c'est marrant. Genre derrière, c'est absolument génial en fait d'être à la RATP. C'est tellement génial que personne ne veut aller y bosser. Donc il faut réfléchir. Tu mets l'offre, la demande. Tu réfléchis, bah tu dis bah peut-être que genre la proposition qui est faite par la direction de la RATP dans les conditions de travail et de salaire sont pas les bonnes et qu'il faut les rehausser. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui que demandent les syndicalistes et tous les gens qui sont mobilisés dans cette grève. Ouais. Non mais moi je vais vous rassurer. Vous savez la Fédération Sudrail, on syndique les salariés dans le nettoyage. Le nettoyage ferroviaire, celles et ceux qui nettoient les trains et celles et ceux qui ramassent les détritus dans les TGV. On les syndique. Je peux vous garantir que nous, on a interpellé le patronat du nettoyage ferroviaire. Alors, je ne citerai pas des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je peux vous garantir que ma fédération Sudrail va construire un rapport de force dans ses salariés de nettoyage ferroviaire pour que eux aussi... Parce qu'on le sait aussi, plus de trains, plus de pression. Ils ne sont pas du tout concernés. Donc rassurez-vous, si ça peut vous rassurer ce soir, rassurez-vous. Ma fédération, qui n'est pas une fédération encore. Attentivement, parce que jusqu'à présent, ça se termine par des avantages pour vous. Mais on a déjà eu des exemples l'année dernière au mois d'août. Hein, rappelez-vous, à la visite de Macron, il y avait des salariés du nettoyage en gare Saint-Charles. Et quand les salariés du nettoyage, c'est comme les éboueurs, les éboueuses, quand ils font grève. Ça va se voir aussi en fait. Et donc voilà, pour vous rassurer, on ne pense pas corporatiste made in cheminot. Il y aura aussi dans le secteur ferroviaire du nettoyage. L'égalité, ça peut être nivellement par le haut. Le mot de la fin, la grève pendant les Jeux, c'est de l'intox, c'est une menace ? Ou alors l'esprit de responsabilité finira par régner, même s'il y a encore des conflits ? Alors, s'il y en a qui veulent une trêve olympique, elle ne se décrète pas en fait. Elle se prépare ou elle se négocie. Et je le redis pour les Jeux olympiques, on le dit depuis plusieurs semaines, on ne s'interdit rien. Voilà, on ne s'interdit rien, mais les Jeux Olympiques, c'est pas l'alpha et le monde est en train de regarder la France à ce moment-là.
Non, mais bien sûr. Que la direction de la SNCF est aussi cette conscience-là. Mais tout va bien. Mais vous savez, il y a trois semaines, on a négocié un accord. Le contribuable français, dites directement le contribuable français, parce que c'est à la fin, ça se termine comme ça. De quoi? Bah, à la fin, les avantages, s'ils seront payés par le contribuable. Ah bah tiens, mais c'est n'importe quoi. On va faire un référendum pour demander s'ils peuvent avoir la prime pour les Jeux Olympiques. Non, mais c'est ce que répondent les Français. En plus, et les c'est n'importe. Et notamment les usagers et les usagères de tous ces transports. La SNCF. Moi, je vote pour. Moi, je suis usager, je vote pour. Tiens. La SNCF, il n'y avait pas eu déjà le retour en arrière sur la réforme des retraites par rapport au JO? Ou je me trompe? Les réformes. L'accord de trois semaines où là, il n'y a pas eu de grève, il y a eu un accord nucléaire, mais là, ça n'allait pas là. Donc là, on n'a pas fait grève, on a eu un accord nucléaire. Non, justement, c'est déjà un truc obtenu par rapport au JO, vous savez. C'est un scandale. Ce qui est un scandale. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'on revient sur une demi-réforme des retraites. J'ai envie une pièce, Mais c'est en plus, c'est nul parce que c'est que de la désinformation, en fait. On a Emmanuel Macron le 9 mars 2023. Il envoie la part de Macron. Les auditeurs ne savent peut-être même pas de quoi vous parlez. Ouais, les cheminots qui occupent des postes pénibles pendant au moins 20 ans vont pouvoir obtenir une atténuation en quelque sorte des effets de la réforme des retraites après un accord avec la direction qui a été ensuite dénoncé par le gouvernement. Et on peut juste dire que pendant la réforme des retraites quand même, le gouvernement, et preuve à l'appui, disait qu'il fallait que dans l'entreprise il y ait des négociations de fin de carrière, de pénibilité. Quelle lâcheté de la part du gouvernement. Julien, si vous voulez que je dise que le gouvernement est lâche, je serais d'accord. Non, vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement, voilà. On a compris. Merci d'avoir été avec nous dans les grands débats de RTL. Bonsoir. Allez, on va s'attarder maintenant sur une question sensible. Nouveau débat. Est-ce qu'on peut mettre sur un même plan à la fois le pouvoir en Israël et les chefs du Hamas? Alors pourquoi cette question? Bien parce que le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, réclame des mandats d'arrêt à la fois envers les dirigeants du Hamas et le Premier ministre Netanyahou. Alors c'est une position qui divise les partenaires d'Israël, c'est scandaleux, dit d'un côté Joe Biden, de l'autre la France dans un communiqué soutient la CPI, son indépendance, c'est aussi la ligne de l'Union Européenne. On accueille en ligne un nouvel invité maintenant avec nous, un grand avocat, bonsoir Emmanuel Daoud. Bonsoir. Il y a quelques semaines, vous avez saisi la CPI, vous représentez trois ONG de défense des droits palestiniens. Vous dites les réquisitions montrent qu'il n'y a pas de dirigeants au-dessus des lois. Oui, la saisine de la Cour pénale internationale, nous l'avons faite le 28 novembre dernier. Et ce qu'il faut que vos auditrices et auditeurs sachent, c'est que l'enquête du procureur de la CPI ne démarre pas d'il y a quelques semaines. Cette enquête, elle était déjà ouverte depuis le début du conflit. Et si on veut être encore plus précis, le bureau du procureur enquête sur ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est depuis 2021. Donc cette enquête, elle est très dense, elle est très fournie. La Cour pénale internationale n'a encore rien décidé, puisque ce sont des requêtes qui ont été adressées par le procureur, qui sont soumises à la chambre préliminaire, qui va décider ou pas de valider ces demandes de mandat d'arrêt. En tout cas, ce que je constate, pour essayer de répondre à votre question, c'est que le procureur, de mon point de vue, n'a pas renvoyé dos à dos les belligérants. En revanche, ce que dit le procureur, c'est qu'il n'y a pas une vie palestinienne ne vaut pas moins qu'une vie israélienne et que les chefs d'État ne sont pas au-dessus des lois. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de comparaison entre une organisation qualifiée de terroriste et un État démocratique. En revanche, pourtant, c'est ce que certaines diplomaties ont perçu, ce mot équivalence. On le retrouve à Washington, à Rome, à Berlin, pas en France d'ailleurs. La position de la France, c'est une position neutre, contrairement à celle des États-Unis, qui vous fait grincer des dents, j'imagine. C'est une lecture biaisée de la part de M. Biden, mais qui est lui-même en campagne électorale. Ce qui, moi, m'a scandalisé, c'est que un chef d'État comme M. Biden intervienne directement pour faire pression sur une juridiction pénale internationale qui doit être indépendante. Et d'ailleurs, c'est le rappel du Quai d'Orsay, de la position de la France. Ni M. Biden ne peut pas intervenir sur le cours de la justice. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le statut de Rome prévoit, dans son article 70, la possibilité pour le procureur d'engager des poursuites contre des personnes physiques ou des personnes morales. Donc potentiellement contre Joe Biden, d'après vous. Exactement. Je voudrais votre avis autour de la table sur ces réquisitions, cette manière de rappeler que toutes les vies se valent, comme dit à l'instant Emmanuel Daoud. Étienne Jarnel, ce n'est pas le sujet. Moi, je pense que c'est une faillite morale de la Cour pénale internationale, une vraie faillite morale. Et la diplomatie française lui emboîte le pas. Je vais vous dire pourquoi. Le problème, c'est la concomitance qui met
d'une manière ou d'une autre, pas complètement, mais un peu quand même, les deux dans le même sac. Et on ne peut pas faire vous, ça. Vous, concomitance, ça veut dire équivalence. Mais oui, attendez, les crimes du Hamas du 7 octobre, ils sont documentés depuis le début. Ils sont même documentés par le Hamas lui-même, par les vidéos qu'il a publiées. Qu'a fait le procureur de la CPI d'ici là? Il a attendu 3 mois pour mettre tout le monde dans le même truc. Mais c'est une honte absolue, ça produit cet effet-là. Et on ne peut pas comparer des choses. Je vais vous rappeler un fait qui est quand même extrêmement simple. Hein, parce qu'on peut disserter pendant des heures sur le niveau de la riposte israélienne. Je pense que n'importe quel pays au monde serait allé éliminer l'adversaire qui vous fait ça. Mais qu'importe. On peut disserter de ça et dire que ça va trop loin, etc. Je le pense en partie, pas complètement, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vérité qui est très simple. On peut être arabe en Israël et avoir le droit de vote. On ne peut pas être juif et vivant à Gaza. Retenons quand même cette chose-là. Retenons le fait qu'il n'y a plus de juifs dans la région du tout. Ils ont été épurés. Ça, ce sont des faits. Et de mettre les choses... pas complètement sur un même plan, mais un petit peu quand même, je trouve aussi une honte absolue, c'est indéfendable. Concomitance, est-ce que ça veut dire équivalence, Rachel Kahn ? Et moi, je partage les propos soutenus par Étienne Jernel, évidemment. Surtout dans un contexte où il y a une guerre de la communication qui est telle que l'antisémitisme se déploie au niveau international sur l'ensemble des Juifs, ce qui correspond à la charte du Hamas. Une fois que j'ai dit ça, ce qui m'intéresse maintenant dans ce qu'a fait le procureur général, Karim Khan, qui ne voulait pas aller sur place. Les familles des kibbutz ont demandé à ce procureur de venir. Il est venu 3 mois plus tard, effectivement, pour constater les faits. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de droit international du terrorisme. Et que là, cette fois-ci, eh bien... certes, il y a ce mettre sur les deux pieds d'égalité Netanyahou, mais parce que ça fait le buzz de dire Netanyahou. Il faut bien redorer le blason de cette Cour pénale internationale. Il faut bien le faire. Et un moyen de le faire, c'est d'accuser Netanyahou en premier. On parle trop peu. Non, enfin, je dis qu'il y a Netanyahou d'un côté et qu'il y a ces 3 personnes du Hamas de l'autre, qu'il n'existe pas un droit international du terrorisme, donc que Israël est devant les tribunaux constamment, et on sait très bien pourquoi. On sait très bien pourquoi. Alors maintenant, si le procureur et si la demande du procureur va jusqu'au bout, c'est très intéressant pour que cette Cour pénale internationale fasse une forme de Nuremberg du 7 octobre. Emmanuel Daoud. Écoutez, je suis désolé, moi je m'exprime non pas comme commentateur, mais comme avocat et comme juriste. Je ne peux pas partager l'analyse des personnes qui sont sur le plateau pour une raison simple. Vous demandez à une juridiction pénale internationale de faire de la politique. Elle n'est pas là pour faire de la politique. C'est ce qu'elle fait. Hein. C'est ce qu'elle fait. Pardonnez-moi, je poursuis. Elle ne fait pas de la politique. Si. Il y a un procureur qui prend des initiatives et qui sont soumises au droit international. Et vous ne pouvez pas faire le reproche à M. Kahn et au bureau du procureur, parce qu'il n'a pas pris la décision tout seul, avec tous ses collègues magistrats. Et pour s'assurer en plus qu'il était dans son bon droit au regard des canons du droit international, il est allé consulter un panel d'experts indépendants à qui il a remis son dossier. Avant que de décider d'avancer. Vous ne pouvez pas faire le reproche à la justice de travailler, d'essayer de travailler dans la sérénité. Ce n'est peut-être pas très satisfaisant sur le plan politique, mais ce n'est pas le boulot de la Cour pénale internationale. Et j'ajoute un point, il est faux de dire, pardonnez-moi de le dire de façon aussi abrupte, qu'il n'y a pas de droit qui permette de juger les terroristes. Dans tous les pays du monde démocratique, on juge les terroristes et on les condamne aux sanctions les plus sévères. J'ajoute et j'en termine encore une seconde pour vous dire que la justice est saisie. On verra ce que décidera la Cour pénale internationale, mais il faudrait quand même pas oublier tout de même que quelles que soient les abominations qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre, qui sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, qui doivent être jugés pour les responsables, il n'en reste pas moins qu'on oublie un peu vite, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression parfois, au vu de certains commentaires, qu'une vie palestinienne, ça ne vaut pas le même prix qu'une vie israélienne, et je suis désolé de le dire ainsi, parce que sinon, monsieur, vous n'auriez pas dit que n'importe quel État aurait agi comme l'aurait fait l'État d'Israël. Je ne remets pas en cause
la possibilité et le droit de l'État d'Israël de défendre son territoire et de défendre ses habitants. Ce qui est remis en cause, c'est la façon dont la guerre est conduite. Ça s'appelle le droit international humanitaire. Personne, et surtout pas moi, ne fait une hiérarchie des victimes. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le réécrirai. Une victime de chaque côté vaut exactement la même chose. Ce qui ne vaut pas exactement la même chose, c'est l'intention de celui qui tue. Ça n'est pas la même chose que d'aller faire une opération d'épuration, de nettoyage, d'extermination, comme l'a fait le Hamas, en tuant des civils volontairement, plutôt que de faire la guerre. Ça n'est pas la même chose, pardon. Et ça, c'est le droit aussi. Pablo Pio Vivien. Mais il y a des crimes de guerre et il y a des crimes contre l'humanité qui peuvent exister, y compris dans le cas de la guerre. Et c'est ce dont, à mon avis, veut parler le procureur général de la CPI. Moi, je voudrais rappeler quelque chose pour prolonger ce que disait Maître Daoud. C'est que remettre en question avec la violence avec laquelle que vous avez eu tous les deux, Rachel Kahn et Étienne Jernel, une décision de justice, enfin le début d'une décision de justice, on va voir effectivement la décision que va prendre la Cour pénale internationale si elle se saisit ou pas de ce qu'a proposé le procureur, mais honnêtement c'est un danger pour la démocratie. C'est du populisme, on ne peut pas accepter en fait que des commentateurs, comme l'a très bien dit Emmanuel Daoud, que nous sommes tous les trois, remettent en question de façon aussi frontale une décision de justice. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Non, la liberté d'expression ça va, c'est pas ça la liberté d'expression. Non mais c'est pas ça. Rendez-vous compte, notre démocratie, elle a des piliers et un de ces piliers, le plus important, c'est la justice. La justice en tant que valeur, mais aussi la justice en tant qu'institution. Et la Cour pénale internationale, c'est une de ces institutions-là. La remettre en question, comme vous le faites, est un danger pur et simple pour... pour la paix dans le monde et pour notre démocratie. Au contraire, je ne l'ai pas remise en question, cette Cour. J'ai dit que c'est très bien pour moi que le Hamas aille devant la Cour pénale internationale, notamment parce que... Et Netanyahou aussi. Exactement. Hum. Notamment pour prendre en considération les tunnels du Hamas et le fait que le Hamas prenne son peuple en tant que bouclier humain. Ça m'intéresse. Que doit faire Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie et comment ramener le calme? Le chef de l'État part ce soir en Nouvelle-Calédonie pour officiellement y installer une mission après des jours de chaos. Écoutez le Premier ministre Gabriel Attal. Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie d'abord pour être au contact de nos compatriotes. L'objectif, c'est d'être à leur côté et d'ores et déjà de préparer, d'anticiper la reconstruction. Le président de la République s'y rend également pour renouer le fil du dialogue. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie passe évidemment par des évolutions institutionnelles, mais il passe aussi par le dessin d'un chemin du pardon et d'un chemin d'avenir pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de vivre en paix. Alors, dialogue, mais on rappelle qu'Emmanuel Macron a quand même fixé un ultimatum aux loyalistes, aux indépendantistes, en leur disant « Bon, vous avez jusqu'à juin pour retrouver le chemin d'un avenir commun, sinon je réunis le Congrès et j'acte l'élargissement du corps électoral aux derniers arrivants en Nouvelle-Calédonie, cette fameuse réforme qui a mis le feu aux poudres. » Il a raison d'y aller lui-même, le président Étienne Jernel. D'habitude, c'est plutôt le Premier ministre qui gère le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est une tradition ancienne. Il est comme ça, il est impulsif, et alors il a du mal à partager. Emmanuel Macron, c'est un peu sa difficulté dans le management, la délégation. C'est pas son truc. Et il faudrait qu'il lise un petit peu des revues pour se documenter un peu sur le sujet. Non, après, est-ce qu'il a raison? Peut-être que c'est bien de le faire. Peut-être pas. Peut-être qu'il aurait. Il risque d'être très frustré et de frustrer beaucoup de gens parce que le connaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir trouver, obtenir quelque chose, faire quelque chose, ne pas repartir sans. Or, alors même qu'il y a quelques jours encore, toute table ronde était exclue par les. Et la Nouvelle-Calédonie est un sujet long. Voilà, c'est quelque chose qui historiquement prend du temps, ça prend des mois et des mois, et il se trouve que c'est dans leur méthode aussi. Je sais pas s'il a raison, vous savez quand il est allé au Liban en voulant résoudre le problème Limadais, ce qui demande à mon avis 4 ou 5 siècles de plus parce que c'est compliqué le Liban, il va avoir du mal, mais il a peut-être raison, je sais pas, j'ai pas d'avis précis là-dessus, on verra après en disant que si ça marche, on dirait qu'il avait raison, si ça marche pas, on dirait qu'il avait tort. Bon, on entend en tout cas des appels sur place, à la fois des indépendantistes, mais aussi par exemple de la maire de Nouméa, qui a longtemps été loyaliste en disant au président mais temporiser, ne passez pas en France. Mais surtout, ce qui est important, c'est de rétablir un tout petit peu l'ordre parce que c'est quand même une violence extrême. L'autre reporter qui est là-bas nous a raconté des scènes, c'est apocalyptique. Et puis les gens qui ont peur pour leur vie, et puis la violence, et qui s'arment, etc. C'est terrible. Dans ce contexte, on peut
acter au mois de juin la réforme électorale ou il faut temporiser comme beaucoup le réclament, Rachel Quin? Moi, je pense qu'il faut temporiser. Je pense que c'est une bonne chose que le président aille sur place. On lui reproche trop souvent d'être hors sol. Et ben là, justement, il représente la nation, l'unité. Donc, il va sur place. Il y serait pas allé. On aurait dit, ouais, il y va pas. Il y va. On dit, ouais, il y va. Donc, en fait, le pauvre à chaque fois. Non, je trouve que c'est une bonne chose. Après, l'enjeu qui est celui de la réparation avec l'histoire de ce territoire, la Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Édouard Glissant, qui a créé en fait cette notion de créolisation. La créolisation, c'est pas ce que nous dit Éric Zemmour, c'est pas ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon. La créolisation, c'est comment sortir du chaos, comment se réparer, comment construire un destin commun malgré les blessures ancestrales. Et là, en l'occurrence, il y a ces blessures ancestrales. Et vous parliez tout à l'heure de retrouver l'unité et de ne pas faire offense à notre démocratie. Et ben là, justement, c'est l'enjeu qu'incarne en fait ce dossier-là. Et je pense que forcément, lorsque notre République, qui a pour socle le dialogue et la relation, est détestée par certains, et ben forcément que ça prend du temps et forcément que c'est difficile, puisque c'est le dialogue même qui est entaché en fait aujourd'hui. Je trouve que le président, en y allant, en retrouvant finalement cette philosophie humaniste, universaliste, même si ces mots sont un peu galvaudés aujourd'hui, de tenter d'apaiser et de revenir sur ce territoire en essayant de remettre tout le monde autour de la table, je pense que c'est une bonne chose. Ce qui me rend triste, c'est que politiquement, certains élus, certains de nos représentants mettent de l'huile sur le feu, alors même qu'effectivement, des familles et des gens sont terrorisés ce soir. L'huile sur le feu, ce qu'il faut temporiser. J'insiste sur cette fameuse réforme parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une ligne rouge. Est-ce qu'il peut passer en force, le président, non, surtout en allant là-bas? Non, mais il ne doit pas passer en force. Alors, il va là-bas, je rappelle qu'il va y aller 24 heures. Donc, en 24 heures, en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, en fait, ce qu'on peut obtenir. Comme l'a rappelé Tiens Jarnel, c'est des processus, en fait, au temps long. Le processus de décolonisation, en fait, des territoires d'outre-mer et en particulier de la Nouvelle-Calédonie, bah, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps pour créer du consensus, pour créer de l'unité, comme disait Rachel Khan. On a besoin de temps. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la méthode qui a été celle du gouvernement, notamment dans les 6 derniers mois, bah, ça a été au forceps, à la marche forcée, et allez, on va faire le dégel du corps électoral, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça, puisqu'il y a eu les 3 référendums, dont le dernier, je rappelle, a été fait pendant le Covid, contre la volonté de beaucoup de représentants kanak, hein, parce qu'ils disaient, bah, en fait, pendant le Covid, ils ont appelé à boycotter, ils ont dit, bah, pendant le Covid, on est désolé, mais nous, on ne veut pas aller voter parce qu'on a peur du Covid. Et il a quand même fait, Macron a quand même voulu qu'il y ait ce référendum. Il n'aurait pas dû avoir ce référendum. Qu'il doit changer de processus. Il doit changer de méthode. Mais en fait, c'est une méthode générale. C'est-à-dire que le processus de paix, ça vaut pour ce qui se passe au Proche-Orient, comme ça vaut pour ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, même si voilà, toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. C'est des processus en fait qui prennent du temps. Et le problème, c'est que Emmanuel Macron, bah, c'est un mec qui n'a pas le temps. Et c'est un mec qui doit tout faire tout de suite, qui veut tout de suite des résultats, qui pense qu'en 24 heures, il va rencontrer machin et truc, et que c'est bon. Il va faire une photo devant l'avion et que le problème sera réglé. Bah non, ça marche pas comme ça, ni avec Vladimir Poutine, ni avec les Kanaks, ni au Liban, ni nulle part.